Good morgen, allez, Yidan et Sustra, aujourd'hui, le Louis Nishmat, Abba Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah, Bat Esther, ainsi que l'Irfouat, Avraham Noach, Ben Yehudit, et Rachel Perel, Bat Rivka, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet, Ktuvot, Perek Zain, Perek Amadir, Mishnah Alef. Amadir et Ishto, Mile Hanot Lo, Ad Shloshim Yom, Ya'amid Parnas, Yeter Miken, Yotzi v'etan k'tuba, Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël, Chodesh Echad, Yekayem, Ushnaim yotzi v'etan k'tuba, Be'Kohen et Shneim Yekayem, Ushlosha yotzi v'etan k'tuba. Bon, on commence aujourd'hui le Perek Amadir, un Perek essentiel, que, à cause de lui, c'est-à-dire, par rapport à ce Perek, ça va justifier l'enchaînement ensuite de la prochaine Maserhet qui sera Maserhet Nedarim, et après Nazir, et après Zalman Sota. On aura l'occasion de réouvrir le sujet. Pour le moment, on va parler dans notre Mishnah, dans tout ce chapitre, en fait, des vœux. Et on va expliquer un petit peu c'est quoi un vœu, d'abord, de manière générale, parce que la traduction du mot vœu, telle que je l'entends en tout cas, la consonance, elle est plus dans le sens, on a exprimé le souhait de faire une chose et on est engagé par la faire. Ça, c'est comme ça qu'on traduit un vœu en général, un éder. C'est juste, mais pas complet du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a les nidre mitzvah, on peut faire un vœu qu'on va faire une mitzvah. Mais l'essentiel des vœux qu'on parle dans la Torah, des Nédarim, c'est pas le cas. On parle que je vais interdire une chose à moi ou à d'autres personnes. Par exemple, j'en ai marre de fumer, je vais m'interdire la cigarette pour une semaine. Je vais avoir un interdit de fumer une cigarette maintenant, parce que maintenant j'ai créé Lo Yachal Devaro, puisque j'ai dit que je m'interdis les cigarettes par l'interdit des vœux. J'ai interdit les sourds d'Enderim. Je peux m'interdire les fruits, toutes sortes de halakhot, on aura l'occasion de tout découvrir, Bezrat Hashem. Ce qu'on va parler dans notre Mishnah, dans notre chapitre, c'est un homme qui interdit des choses à sa femme. Il se fâche avec elle, ils s'entendent pas tellement fort, vous imaginez bien. Il lui fait des fois des coups de crasse un peu méchants, il va lui interdire des choses. D'accord? Donc en fait, Amardir et Tishto Mina Notlo, c'est qu'il va interdire à sa femme de profiter de lui. Pendant, justement, alors la Mishnah, jusqu'à 30 jours, Hatshloshim Yom, Yahamid Parnas, jusqu'à 30 jours, il devra nommer un intermédiaire qui va la nourrir. On va expliquer après c'est quoi. D'accord, pour le moment, je vais juste avancer dans la Mishnah pour donner d'abord une allure. Yeter Miken, au-delà, Yotzi Vedan Ktuba, s'il a prononcé son interdit de vœux plus de 30 jours, eh bien, il devra nécessairement divorcer sa femme et lui donner la Ktuba. Il ne pourra plus rester marié avec elle. C'est-à-dire, elle se rendra en droit de réclamer qu'il la divorce. Et qui lui donne la Ktuba. Ça, c'est l'avis de Tanakama, et c'est déjà, j'avance toute la Mishnah, comme ça, après, on reprend tout un peu mieux, et on explique mieux. Rabbi Yehuda nous dit, non, ça dépend. Be Israël, avec un Israël classique, alors Chodesh Echad, tu as raison, un mois, il est Kayem, alors pour un mois, il devra maintenir son vœu. Ou Shnaim, mais s'il interdit pour deux mois, eh bien, Yossi Veten Ktuba, il devra lui donner la Ktuba, la divorcer, lui donner la Ktuba. Par contre, Obekonet, c'est une femme de Kohen, que s'il divorce sa femme, il ne pourra plus la remarier. Alors on va lui laisser une échéance un peu plus longue, on va lui laisser Shnaim Yekayem, pour deux mois il maintient, et Shlosha Yossi Vezan Ktuba, après trois mois il devra divorcer sa femme. De quoi on parle, on reprend un petit peu mieux, il y a plusieurs notions à introduire pour les vœux, spécifiquement l'interdit des Nédarim. Faire un Néder, je reprends, faire un Néder, c'est exprimer que, autant que j'ai la capacité d'interdire mon objet à moi, mon objet à toi, ton objet à moi, mais pas ton objet à toi. Première règle à retenir. Ce qui est à moi, je peux décider que je l'interdis pour moi. Je peux décider aussi que je l'interdis pour d'autres personnes. Et ça impliquera que toutes les plus personnes, si j'interdis, que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus profiter de mon livre. Si vous ouvrez mon livre pour en profiter, vous transgressez un interdit de la Torah. De Lo Yachel Devaro. D'accord? Parce que maintenant, ça devient, maintenant j'ai créé un interdit de profiter de mon bien. Je suis en droit de créer des interdits sur mon bien. Comme je peux décider que je vais le rendre à Egdesh. Et si je le rends à Egdesh, et bien maintenant il est devenu Kadosh. Vous ne pouvez plus l'utiliser. La même chose pour les vœux, c'est le même principe, c'est fondé sur la même idée d'ailleurs, que par rapport à vous, il est devenu kadosh, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il y a un interdit de transgresser. Je peux aussi interdire ce qui est à toi, je l'interdis à moi. Je ne veux plus profiter de ton livre, je l'interdis, Beissour Nedarim. D'accord? Mais je ne peux pas interdire ton livre à toi. Je prononce un neder que tu n'auras pas le droit de profiter de ton livre, parce que c'est pas... Je n'ai pas le droit de le faire. C'est pas quelque chose qui m'appartient. D'accord? C'est important ce que je vous dis pour comprendre notre Mishnah. Parce que là, un homme, il interdit à sa femme de profiter de lui. Or,
La femme, l'homme, il a des engagements face à sa femme. Et si j'ai des engagements face à ma femme, je ne peux pas lui interdire des choses. Les choses que je suis engagé à lui fournir. Ouais, je m'exprime. Imaginez, vous avez un droit d'utiliser mon livre. Le livre, il est à moi, mais vous avez un droit de l'utiliser. Je ne peux pas vous interdire d'utiliser ce livre. Parce que quand vous utilisez des livres, c'est pas que vous utilisez mon livre. Vous utilisez le vôtre. Si vous avez un droit dessus, c'est le vôtre. Selon ce principe. Quand on parle qu'un homme, il interdit à sa femme de profiter de lui, alors profiter de lui, ça implique plein de choses. Ça implique d'abord lui donner à manger, c'est vrai. Ça implique aussi d'entretenir des rapports avec elle. Parce que quand un couple, comme on avait appris, ils étaient engagés tous les jours, deux jours, toutes les semaines, tous les mois, chacun selon sa profession et tout ça. Il y avait une Mishnah entière qui expliquait là-haut combien l'homme est engagé face à sa femme. Mais dans ce cas-là, si j'interdis à ma femme de profiter, un homme qui interdit à sa femme de profiter de lui, il ne peut pas lui interdire, par exemple, ses choses intimes. C'est à elle, elle a un droit sur le mari. Elle ne peut pas, elle, décider de l'interdire. Selon ce principe, là, il faut expliquer que lorsque l'homme il interdit à sa femme de profiter de lui, c'est pas qu'il interdit d'entretenir des rapports, il sera obligé d'entretenir ses rapports. D'accord? Mais par contre, on parle ici de la nourrir. Alors vous allez me dire, mais la nourrir aussi, il est obligé de nourrir sa femme. Alors ça, on va expliquer maintenant, c'est vrai, mais c'est pas exact. On avait appris que l'homme, il a l'obligation de nourrir sa femme, et en contrepartie, lorsque la femme gagne de l'argent, elle doit donner au mari. Il y a maintenant un cas particulier, c'est maintenant une femme qui gagne assez d'argent pour se nourrir elle-même. L'homme, il a la possibilité de lui dire, écoute, tu m'as un peu fatigué là ces derniers jours, j'ai envie de prendre des vacances de toi. Je t'interdis de profiter de ce qui m'appartient à moi. Garde ta paye et nourris-toi avec. Et là, il a posé la possibilité de le faire, et c'est ça qu'on parle dans notre Mishnah. Il a interdit à sa femme de profiter de lui. Alors il a interdit à sa femme de profiter de lui. Il a la possibilité de le faire, mais on le limite que pour 30 jours. Pourquoi 30 jours? Jusqu'à 30 jours, on peut encore supporter de vivre avec quelqu'un qui tire la tête à la maison. On est un peu en froid, on rentre à la maison, on ne se dit pas bonjour, on ne se dit pas au revoir, mais après 3 jours, et je ne profite pas de lui, chacun il a sa part dans le frigo, il a sa part de son compartiment avec son sandwich, ils peuvent encore tirer comme ça. Mais après 30 jours, les choses commencent à s'ébruiter. Et là, la femme, elle peut dire à son mari, écoute-moi, jusqu'à 30 jours, on peut supporter, on tire, mais plus que 30 jours, tu m'interdis plus que 30 jours, alors. Je ne peux plus rester dans cette situation. Ça va savoir, c'est la choum. Ça, les voisins vont me dire, vont se mêler, chacun avec son petit conseil, son petit truc. Ça pèse. Tu veux plus. Alors, je t'en prie, rendez-vous au Beth Din, donne-moi mon guette, donne-moi ma ktouba et laisse-moi tranquille. D'accord? Yoti Veten Ktouba. Ça prend 30 jours. Mais pendant 30 jours, il a reçu. Il y a une marquette dans la Gemara, Rav Shmuel. Deux avis, est-ce que quand on dit 30 jours, c'est qu'il faut attendre les 30 jours ou bien même depuis le début? S'il a prononcé un vœu pour 2 jours, pour 2 mois, que depuis le début, il a dit écoute, 2 mois, alors j'ai plus d'intérêt à attendre maintenant, tu me divorces tout de suite, ou est-ce qu'il faut nécessairement attendre? Peut-être qu'il va finalement il va annuler les vœux parce qu'on a la possibilité d'annuler les vœux, on fait Atarat Nedarim, parce que vous devez sûrement connaître le principe un petit peu. Voilà pour le principe de la Mishnah générale, et sur ça, l'histoire du Parnasse, je vais l'expliquer dans quelques minutes encore, mais juste d'abord, comme ça, on structure bien la Mishnah avec l'essentiel. Après, on va rentrer dans un petit détail supplémentaire. Rabbi Houda vient et me dit, écoute, ce que tu as dit pour 30 jours, je suis à moitié d'accord. Je suis plus ou moins d'accord pour un Israël, avec une petite différence, Rabbi Houda, il a utilisé un mois, et Tanakama, il a dit 30 jours. Un mois, ça ne fait pas toujours 30 jours, un mois, ça peut faire 29 jours et demi. Selon Rabbi Houda, on va selon le mois, des fois 29, des fois 30. Des fois 30, d'accord. Ça, c'est un petit détail. Mais surtout, l'essentiel de Rabbi Houda, c'est de me dire, écoute, un homme qui est en froid avec sa femme et que sur un coup de tête, ils vont se mettre à divorcer, il faut. D'accord, il va la divorcer, mais s'il voudra, ensuite, il pourra quand même la reprendre. Mais pour un Cohen, c'est plus compliqué, parce que s'il divorce, il ne pourra plus reprendre sa femme. Un Cohen, il n'a pas besoin avec une divorcée, même avec la sienne. De ce fait, il a dit, eh bien, on lui rallonge un petit peu l'échéance, laisse-lui 2 mois au lieu de 1 mois. D'accord? Voilà pour la Mishnah en général. Il reste maintenant un détail à expliquer, c'est l'histoire du Parnasse, et ça va devenir un petit peu plus lourd et compliqué. D'accord? Accrochez-vous, ça ne va pas être très compliqué, mais quand même, je vous explique l'idée. Il y a 2 points à expliquer. Le premier point d'abord, c'est de. Bon, j'interdis à ma femme de me profiter de moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ma femme elle a besoin de manger? C'est une question floue. Mais faites comme si, que pour le moment, vous acceptez la question, je vais expliquer pourquoi vous ne pouvez pas la comprendre en théorie. Mais pour le moment, si maintenant la femme, elle a malgré tout besoin de manger, et le mari est engagé et elle ne peut plus profiter de lui, alors la Michelle lui-même dit, bah, tu sais quoi, il y a un mythe Parnasse, il va mettre une tierce personne. Un intermédiaire qui va s'occuper de nourrir sa femme. Attention, il ne va pas nommer un chaliar, il ne va pas le nommer émissaire pour nourrir sa femme, parce que si c'est ça, ça s'appelle que c'est lui qui la nourrit.
Si moi, au lieu d'aller acheter l'argent, au lieu d'acheter avec mon argent pour donner à manger à ma femme, je dis à mon voisin, écoute, va, achète, donne, et moi je te rembourse, c'est mon chaliar, ça marche pas de faire ça. Donc, ouais, c'est mon chaliar pour aller pour nourrir ma femme, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est que je trouve quelqu'un qui lui dit, écoute, ma femme, la pauvre, je suis en froid avec elle, mais j'ai pas envie qu'elle, je ne veux pas qu'elle meure de faim. Donc je lui dis, Kolazan et Nomafsid, mais je m'engage pas à te payer, fais ce que tu veux, mais sache qu'il y a une pauvre femme là à la maison qui crève de faim, donne-lui à manger, puis sache que il sera pas déçu. Kolazan et Nomafsid, tout celui qui va la nourrir ne va pas perdre, ne va pas être déçu. Et comme ça, lui va la nourrir, il a bien confiance en moi que je ne vais pas le planter. Je vais finalement lui payer ce qu'il a payé. Mais je n'ai pas le droit de le faire de manière directe. Je le paye pour qu'elle aille le faire. D'accord? Maintenant, je vous avais dit juste un point important que vous ne pouvez pas tellement comprendre. Ça veut dire quoi que ma femme a besoin de manger? Je vous ai expliqué la Mishnah auparavant. Qu'en réalité, on parle que la femme, elle gagne assez d'argent pour s'assumer toute seule. Et si elle ne peut pas s'assumer toute seule, alors elle vient me voir. Je n'avais pas le droit de l'interdire. Et en fait, là, c'est sur ça où ça devient un petit peu plus compliqué. La Gemara, elle explique ça, qu'on parle de les petits suppléments. On parle. C'est assez complexe et je vais essayer de faire ça en une petite minute, très rapidement. À quel niveau je dois nourrir ma femme? Ouais, il y a plusieurs niveaux. Il y a acheter des produits simples, du pain et du beurre confiture, ou il y a acheter du Nutella qui coûte je sais pas combien le pot, ou il y a donner à manger des plats de viande et de steak tous les jours. Quand même, à quel niveau il faut nourrir? Un homme, il a le besoin de nourrir sa femme? Bonne question. Alors sur ça, en réalité, chacun selon son rang social, dans les deux cas, la femme, elle gagne toujours. Soit elle vient d'un milieu riche. Je suis obligé de la nourrir comme ce qu'elle avait l'habitude de manger chez elle. Soit elle vient d'un milieu pauvre, mais moi je suis obligé de la nourrir comme dans un milieu riche. D'accord? Ça, c'est en général. Donc, mon engagement avec ma femme, c'est de la manger comme ce qu'elle mangeait chez elle, ou chez moi, le mieux des deux. Il y a toutefois, en général, si elle vient d'un milieu riche et que moi, je ne suis pas riche. Donc, chez nous, on ne mange pas. Chez nous, on mange pas de la viande tous les jours. On mange du beurre et. D'accord? Et comme ça, on tire les repas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand je me marie avec elle, je m'engage, en théorie, à la nourrir au top, comme ce qu'elle mangeait chez elle. Elle accepte d'être mévatère et être sur son droit. Parce qu'elle m'aime bien, je suis gentil, je suis doux. Elle renonce à. Au lieu d'avoir des repas à 100 shekels le repas, elle est prête à avoir des repas à 20 shekels le repas. Mais maintenant que je me suis fâché avec elle, parce que j'ai prononcé un vœu, alors elle me dit, écoute-moi mon coco, t'es gentil, tant qu'on était pour le moment, je pouvais me supporter avec toi, parce que t'es sympathique. Maintenant tu commences à me faire la tête pendant un mois, si déjà je réclame les repas, là, les tickets repas, à 100 shekels le repas, maintenant, suite à ça, le mari Bémet, il reprend l'obligation de la nourrir, mais le vœu, le Neder, il a quand même eu la possibilité de s'imposer, donc du coup, il va falloir trouver maintenant un intermédiaire pour faire le fameux jeu, d'accord? C'était voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.